Bonjour, jeune Mongol. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Pourquoi vous m'avez traité de Mongol déjà? Non, je voulais savoir si vous étiez là. C'est très calme dans cette ville. Ouais, bah, parce qu'il fait quand même tard, hein, dans la tête. Comment ça, il fait tard? Bah, dans ta tête, il fait tard. Mais non, nous sommes en plein jour, monsieur. Moi, je parle de la tête. Dans la tête. De quoi vous parlez? Rien du tout. Des fois, je parle chinois un peu, excusez-moi. Oui, j'ai l'impression que vous parlez même le basané, devrais-je dire. Salut, jeune Mongol. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez que c'est interdit de circuler. Je fais partie du gouvernement. Il est interdit de circuler en pleine ville. D'accord. Il y a une mesure de confinement. Rentrez chez vous. Écoute-moi bien, sombre merde. Tu rentres chez toi maintenant. Est-ce que t'as compris le message? Je m'appelle John Williams. Je suis membre du gouvernement. Ouais, reste là. Ouais. Toi et ta gueule de fion, circulez. Ouais, t'inquiète-toi. Restez à plus d'un mètre, s'il vous plaît. Déjà, tu es en train de me sucer le prépu? T'as même pas de masque, enculé. Pardon? T'as même pas de masque, enculé. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que tu fous à me shooter, enculé, frère? Enculé de tes dents jaunes, je t'emmerde. Toi et ta gueule de fion. Ramène ton gang de merde. Ton gang de Teletubbies. Je te baise, t'es mort. Tu ne vas rien baiser, mangeur de salade. Vous vous habillez en vert parce que vous êtes des pauvres baltringues. Géant vert. Vous sucez le géant vert. Non, tu pars pas, tu assumes, d'accord? Oui, j'assume, en toute légalité. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, bah tu sors, on va faire un tête. Qu'est-ce que c'est qu'un tête? Avez-vous du matos, du tosma pour moi? On fait un tête, je prends ma batte, on verra. C'est qui défonce qui? Ouh là là, vous m'impressionnez, vous avez une très grosse batte ici. Non, touchez pas mon véhicule, s'il vous plaît. Elle m'a coûté tellement d'argent. Arrêtez, ma voiture! Ah, il faut que j'appelle la police. Ah, ma joie! Vous n'avez pas le droit de faire ça, je vais appeler la police. Tu t'as voulu shooter qui? Vous faites quoi, monsieur? Enlevez votre botte de baseball, merci. Excusez-moi, mais le mec m'a shooté. Il m'a shooté. Merci, monsieur l'agent, cette personne. Attendez. C'est votre véhicule, monsieur? Bougez pas, on va régler le problème. Oui, c'est mon véhicule. Y'a pas de soucis. Mettez-vous sur le bas côté, s'il vous plaît. Oh, le mec, il a essayé de me shooter, frère. Monsieur l'agent, je me défends juste. On va régler le problème, hein. Vous allez prendre ma déposition. Je porte plainte contre la personne elle-même. Oh, d'accord. S'il vous plaît, taisez-vous. Je vais l'enculer. C'est bon, taisez-vous. Le mec, il a essayé de me shooter. Aiden, arrête. Aiden, monte avec moi. Tu fais pas chier. Mais non, vous êtes sérieux? Vous le laissez partir? On va s'occuper de lui. Restez ici. Oh, le Condé, tu sais rouler à droite ou pas? T'es mort. Mais attendez, vous voyez pas les gens. Monsieur, descends du véhicule et venez me voir, s'il vous plaît. Écoutez l'agent, un peu, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes des incapables. Je me fais agresser par le monsieur vert et vous ne faites c'est rien. C'est pour ça que je vous dis, mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît, et expliquez-moi ce qui s'est passé. Oui, et il a commencé. Donc il y a deux trucs. Lui, il dit. Donc, oui, en disant quoi? Oui, il a regardé mon véhicule, la Lamborghini. Il a sorti sa batte et a commencé à mettre des coups. Il voulait m'agresser et me violer littéralement avec ses copains. D'accord, c'est votre véhicule, monsieur? Je suis une personne de la haute classe. D'accord, présentez-moi votre carte d'identité. Je suis un noble et je fais partie également du gouvernement. Monsieur, présentez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Oui, les voilà en train de fanfaronner juste devant vous, vous ne les arrêtez même pas. Monsieur, présentez-moi votre carte d'identité. Écoute-moi bien, espèce de connard, descends de ton véhicule. J'ai pas envie de vous taser. Oh, tu parles à qui, toi? Moi, je t'ai rien fait, donc si tu pas. Oh, par contre, prochaine fois, tu manques de respect. C'est bon, les gars. Eh, la tête de ma mère, je vais te mettre un coup de batte. Allez, monsieur. Tu ne vas rien faire. Comment ça, on va. Les gars. Toi, tu putes, bande de chiens de la casse, vous allez voir moi si je vais rien faire. Joueur P. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis fait agresser par des arabes, je vois. Ah oui, donc ce monsieur-là, on va l'embarquer, vous inquiétez pas. Heureusement qu'il y a la police, sinon je t'aurais pissé littéralement sur ta petite bouche. Monsieur, merci. Donc, mettez-vous contre le mur, présentez-moi votre carte d'identité et votre permis de conduire. D'accord, attendez, laissez-moi contracter le muscle. Faut que tu tournes vers moi, s'il vous plaît. Faut que tu tournes vers moi, s'il vous plaît. Veuillez, toi, me parler. Je ne comprends pas, monsieur, pourquoi vous me tutoyez? Excusez-moi, monsieur, de vous avoir tutoyé. Maintenant, je vous demande votre carte d'identité et votre permis de conduire. Excusez-vous tout de suite, mettez-vous à genoux, suppliez-moi. Foutez-moi, là. Non, je vous donne mes papiers. Et donne-moi ta carte d'identité, si tu veux pas que je te tutoie, encore une fois. Tutoyer. Oui, je vais vous donner ça. Je vous regarde. Restez à un mètre. Merci. C'est un problème? Et votre carte, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Monsieur, ne me parlez pas sur ce ton, je suis la victime dans l'histoire. Veuillez appréhender, s'il vous plaît, le criminel, celui qui m'a agressé, la rabat-joie. Voulais savoir, Sean Paul, allez-vous tenir votre concert dans quelques mois, puisque en ces temps difficiles, c'est pas évident. D'accord, monsieur, présentez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît.
J'aime bien votre dernier tube. D'accord, et vous n'avez pas de permis de conduire, tournez-vous. C'est non, votre véhicule là-bas? Monsieur, c'est un véhicule automatique. C'est votre véhicule ou pas? Non, c'est un véhicule de location. Donc monsieur, je vais me noter. Comment ça? Non, vous n'avez pas le droit de me noter. Ah, arrêtez. Vous allez rester là et je vais vérifier si c'est votre véhicule. Une Tesla n'a pas besoin de permis pour être conduit. L'incroyable fils de pute. Ah, ça me sert. Donc monsieur, vous conduisez sans permis de conduire et qui avec vous dit un véhicule que je volé. Ce véhicule. Je n'ai jamais conduit ce véhicule. Je vous ai vu sur le volant. Donc monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Donc, pour les la fiches. Personne ne sera pas arrêtée, celle qui m'a appréhendé. Elle est là-bas. Je vais m'occuper d'elle après, s'il vous plaît. Vous avez trop serré. Veuillez me détacher. Vous parlez à un membre du gouvernement. Ça peut aller très loin. D'accord. Je te préviens, espèce de connard. Moi, j'ai le bras long dans le gouvernement. Radio, on a besoin d'un véhicule pour emmener un individu, s'il vous plaît. Circule. Circule, s'il vous plaît, tout de suite. Il vient encore me provoquer. Dégage-la. Hey, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il a un peu la boule... Allez. Les gars, pourquoi vous lui avez pris ce qu'il y avait sur lui? Circuler une fois, pas deux. Mais comment tu sais ça? Parce que je sais qu'il avait une batte, et il l'a plus sur lui. Comment tu vois? Mais dans son sac, je lui ai ouvert son sac. Bah c'est bizarre, parce que là, t'es pas du tout à côté de lui. Bah si, il était là, j'ai ouvert son sac, j'ai regardé, il avait plus de batte. Flagrant délit d'HRP ici, là. Mais regarde, mais alors là, la tête de ma mère, il va prendre une tête. Arrête ça. Non mais gros, mais vas-y, regarde ce qu'il dit lui aussi, frère. Regarde ce qu'il dit, frère, j'ai juré. J'ai besoin d'aide. Votre ville, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, tenez. C'est n'importe ville, quoi, moi je fais mon RP, mais. Vous c'est manquez d'autorité, monsieur. Bon, voilà. Il va se calmer, Sean Paul, là il va me libérer. Vous avez trop serré, s'il vous plaît. Veuillez desserrer ces menottes. Voilà, je desserre, c'est bon, monsieur. Enlevez-les, s'il vous plaît. Vous savez bien que je vais coopérer avec vous. Donc, monsieur Bernard Calotte, c'est ça? Vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants: vol de véhicule, conduite sans permis et outrage à agent. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à des soins médicaux, à boire et à manger. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors des interrogatoires si vous en avez pas les moyens. Un interrogatoire, je dis. Un avocat sera commis d'office durant chaque interrogatoire. Vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits, de ne répondre à aucune question. Ou de ne faire aucun. Il va falloir la fermer, monsieur, là. Avez-vous compris vos droits? Le HLMiste, là, il va l'ouvrir encore sa gueule. Avez-vous compris vos droits? Non, j'ai toujours pas compris vu que vous êtes depuis tout à l'heure. Monsieur Bernard Calotte, vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants: vol de véhicule, conduite sans permis et outrage à argent. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. À un quoi? Et d'avoir un avocat et d'avoir présent lors des interrogatoires. Si vous en avez pas les moyens, un avocat sera commis d'office durant chaque interrogatoire. On pourrait décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits. De ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. Vous avez le droit à des soins médicaux, à boire et à manger. Avez-vous bien compris vos droits? Je voudrais manger des pâtes à l'ail. D'accord, je prends ça pour oui. Oui, c'est un oui ça. Et les soins médicaux, comme vous dites, je les aurai quand? Les soins médicaux, vous les aurez pas vu que vous ouvrez trop la bouche. Mets-toi contre les murs, s'il te plaît. D'accord, s'il vous plaît. Mets-toi contre les murs, s'il vous plaît. Mettez-vous contre les murs, s'il vous plaît. Je vais vous fouiller, monsieur. Pourquoi vous me fouillez? Je n'ai rien fait. Mon téléphone, hamburger. Je n'ai absolument rien fait. Donc, monsieur, je. Mon hamburger! Laissez-moi mon hamburger, j'ai faim! Quand on touche à mon hamburger, je commence à avoir une rage qui me. Lui, il me donne mal à la tête, par contre. Je vais avoir des problèmes psychologiques. Ou sinon, je vais rager. Et dans ces moments-là, je commence à avoir. La Envoyez-moi la facture, s'il vous plaît. Oui, je vous envoie les factures, les amendes, tout. Saviez-vous que j'ai une nasite aiguë? Il m'arrive de prononcer des mots en allemand que je ne maîtrise pas. D'accord. Elle a la piste, scheisse! Elle a l'aide! Elle a mein Gott! Non, mais là, faut le soigner, monsieur. D'accord. Demain, vous allez rester jusqu'à demain, monsieur. Je suis obligé de vous garder pour avoir des soins psychologiques, je vous jure. Ok, d'accord, c'est de l'allemand ça. On va lui mettre dans son interrogatoire, on va un peu lui parler, lui, je crois qu'il a besoin de soins.
J'ai une licence de psychologie, vous inquiétez pas, on va se poser, on va parler très... Très bien, mais j'aimerais être soigné, s'il vous plaît. La manière dont vous, comment dire, parlez en français, ou votre syntaxe, me fait penser à une personne que j'ai connue. D'accord, Jean-Luc Reichmann, qui avait dites-moi fait STMG dans les années 90. Vous en êtes ? D'accord, racontez-moi toute votre vie, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une femme, des enfants ? Pourquoi vous voulez savoir ça ? Oui, ma femme, j'ai une femme, oui. Vous l'aimez, votre femme ? Oui, je l'aime, et j'ai un droit de viol sur elle. Ah ouais, vous trouvez ça drôle ? Tu sais que oui, je peux vous emmener en fédéral. Une semaine, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Elle n'a pas porté ah plainte, bah... c'est ma femme. Qui c'est qui a pété ? C'est étonnant, dès qu'il vient de rentrer dans cette chambre, dans cette place... C'est mais toi, contre la chaise, s'il te plaît. Donc, oui. Vous avez des enfants ? J'ai fait un don de sperme il y a quelques années. Ah oui. J'avais envie de me vider les couilles. Et je n'avais aucun moyen de le faire. À l'époque, j'avais que le 3615 ULA. Mais il se trouve que je n'arrive pas à me branler sur du 360p. Il d'accord. a fallu que j'aille dans cette zone, la banque de sperme, pour pouvoir oui. enfin regarder un porno digne de ce nom en 1080p. D'accord, entendu. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit sa foison. Est-ce que vous avez eu des problèmes dans votre vie qui vous a choqué ou des scènes ? Dites-moi oui. tout. À l'âge de 15 ans, j'étais en train d'échanger des cartes Pokémon contre des cartes Digimon avec un certain Bastien. Quand soudain, oui. il a commencé à mettre son doigt dans mon nombril. Au oh début, je pensais qu'il me faisait un appel d'urètre, c'est-à-dire qu'en général, on met une baguette chinoise au fond d'accord. de l'urètre pour sortir un peu de fromage de bite. C'est à ce moment-là que je me suis énervé et j'ai commencé à lui planter cette baguette chinoise ah au oui. fond de son urètre, d'accord. jusqu'à viser bien les couilles. Aujourd'hui, il s'en retrouve avec deux couilles percées. Ah, ça me fait du bien de penser à ça. D'accord, d'accord. Ça vous a pas choqué, ça ? Non, et mon premier rapport sexuel, je l'ai fait avec un animal, avec un hérisson. Ah oui, d'accord. Oui, un hérisson. Monsieur, vous êtes en train de postuler sur moi, je vais aller juste là et je vous vois, vous inquiétez pas. D'accord, bien sûr, mettez-vous en face de la vitre, monsieur. Voilà, je vous vois très bien. Calme, monsieur, tout va bien se passer. Est-ce que vous me voyez à la caméra ? Je vous vois très bien. Il y en a un qui arrête pas de péter, je le sens d'ici. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends, il a mangé un peu trop de tacos mexicains. D'accord, écoutez-moi. D'ailleurs, en parlant de mexicains, j'espère oui. que vous les reconduisez rapidement à la frontière. Je ne supporte pas cette odeur de burritos. D'accord, vous êtes raciste ? Non, c'est juste que j'ai un problème avec les épices. D'accord. Est-ce que vous aimez bien les gens de couleur noir ou marron? Bien évidemment. Pas plus tard qu'hier, j'ai mangé du riz Uncle Ben's. C'était très bon. Vous pouvez m'expliquer pourquoi des fois vous avez des... Oui, des fois j'ai des spasmes, j'arrête pas de dire ah ma joie. Et quand vous avez crié tout à l'heure en cellule? Oui, j'étais racketté à l'époque. Ah oui, oui. Et c'est gens-là. Ça qui a fait que vous... Oui, et j'ai vous développé que criez comme inconsciente, ça. Exactement. Mais c'est mon subconscient. Ah ouais, quand même. Et tournez bien vous. Début, je peux vous expliquer. Dites-moi. À un moment, je me prends pour un certain Mengele. C'est qui ça, Mengele? C'est une personne qui on l'appelle l'ange de la mort. Est-ce que vous êtes accro à quelque chose, cigarette, alcool, drogue, dites-moi. Oui, je suis accro aux films pornographiques. Oui, ça je peux mais pas vous aider pour ça. Les films pornographiques, comment dire? Pourquoi? Avec des femmes matures. La semaine dernière, je crois avoir croisé votre maman dans l'un de ces tournages. J'ai répété pris un tel plaisir. Répété? Oui, je parlais de la mer Noire. D'accord. J'ai vu une partouze autour de la mer Noire. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes accro aux films pornographiques, aux vidéos, au sexe, c'est ah, ça? C'est parce que je me branle régulièrement le zizi avec du barbe. Bon, ça, après, il fait ce qu'il veut, le monsieur. On n'est pas tant que ça psy, au final. Il a quand même à moitié avoué un viol. C'est-à-dire que je suis arrivé là, en France, là, les gens m'ont traité de différent, quoi. Mais je d'accord. comprends pas. C'est-à-dire que le Zodiac, là, il nous a ramené en amas. D'accord, là, mais vous parlez africain, là, monsieur, je vous arrête, là, vous parlez africain. Je t'ai dit là, un golo, là. D'accord, pourquoi vous parlez africain comme ça? Je m'appelle Moussa Mbami, je suis arrivé là, le corona n'est pas là, quoi, là. Vous pouvez répondre à ma question? Pourquoi vous parlez comme ça, africain? Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, il prend le contrôle de mon corps. Qui ça? Un certain Moussa Mbami. Il se manifeste très rarement, surtout quand il y a un connard devant moi. De quoi? Monsieur. Qui a arrêté de péter, s'il vous plaît? Il n'y a personne qui a pas arrêté de péter, rien. T'es il sûr ça? Vous êtes sûr que ça va, monsieur? Oui, monsieur. Ça va beaucoup mieux. J'essaie de me calmer parce que depuis tout à l'heure, il y a mon esprit qui divague. Tu dois rester ici combien de temps, Mac? Je sais pas, moi. Qui c'est qui est en train de ronfler? C'est ta daronne. Oh, vous me manquez de respect. Là, je rigole avec vous, monsieur. D'accord, très bien. J'ai une question. Est-ce que vous voulez que je prenne ma fin de service pour rester avec vous et vous que vous m'en merci dites un peu plus? Merci en tout cas pour votre aide. Vous m'avez assisté depuis tout à l'heure et j'ai des gros soucis. D'accord. Vous voulez que je prenne ma fin de service? Oui, exactement. J'aimerais que vous preniez votre fin de service pour me la tenir. Comme ça, vous allez pouvoir m'aider à pisser. Ok, on va parler nous deux. A few moments later. Il m'a pris pour qui, ce con? On se casse, les mecs. Merde, il m'a... Vite!